C'est un sale buzz. C'est pas la bonne vidéo, c'est moi-même qui est sale. Mais je suis choquée. Parce que vraiment, c'est atteinte. Atteinte à ma personne. Atteinte à ma personne. Brandon Zé, est-ce que vous pouvez taguer Brandon Zé? Celui-là qui a le père, il a la mère, il a sûrement des enfants, il a des frères et des sœurs. Mais faire ce genre de publication sur une personne dont tu n'as pas connaissance de ce qui se passe, c'est très grave. Je demande pardon, population. Je ne sais pas sur TikTok. Oh non, on a le niche de haut destin. Brandon, mon Dieu! Si tu te permets d'écrire des trucs comme ça sur moi pour salir mon image, mon frère, c'est que tu as la grande gueule, tu vas assumer ça. Est-ce que c'est normal que la fille de Lebonjoka Bruno, tu viennes afficher au haut d'Esther, niche? On a le niche de haut d'Esther, mais sur quelle base? Tu veux me salir pour quoi, Brandon Zé? Je t'ai fait quoi, papa? Tu veux donner la crise à ma mère? Tu veux donner la crise à ma mère? Je suis une actrice des studios Montparnasse. Avant de faire mes vidéos, avant d'avoir eu le concept Venéo, avant de commencer à crier sur les réseaux, abattez côté, je suis d'abord actrice. Avant même d'être actrice depuis le lycée, j'ai commencé au club de théâtre. C'est l'histoire, c'est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Je sais que tu as fait l'école parce que ce que tu as fait là, c'est pour provoquer quelque chose. Va t'asseoir. Si tu as eu la définition là de l'histoire, c'est ce qui s'est passé autrefois là. Moi là, mon autrefois là, j'étais... comédienne, j'ai commencé d'abord à faire le cinéma, comment on appelle ça, le théâtre à l'école. Après ça, je dis bon, ok, d'accord, je vais un peu lancer, maintenant me lancer dans le cinéma. Je suis allée passer le casting comme tous les autres acteurs des studios Montparnasse, que je salue au passage la famille. Bien, je suis actrice de cinéma et ce film là m'a vraiment pris la tête. Parce que je me suis dit, comment une femme va être maltraitée comme ça? Comment une femme va recevoir ces coups-là? Comment une femme n'a pas la force de parler? Comment une femme, à cause de l'église, à cause de X ou Y chose, ne peut pas s'exprimer devant les gens? Tu fais ça pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive dans ton cœur là, dans ton cœur noir, au point où tu allais te cacher là-bas parce que tu as tout fait, même tes propres parents ici? J'ai eu le premier rôle, l'actrice principale du film, avec Mike Madama, celui qui me bastonne dans le film. Tu n'as pas vu la partie où il m'a frappé? Tu as vu la partie où je suis sur le lit avec mon mari, qu'il force à avoir des rapports avec moi, je refuse. C'est ce que tu as pris, tu as jeté. J'ai passé le casting comme tout le monde. Je me suis présentée.